Bienvenue chez Atto. Je suis Rotili et je vous montre aujourd'hui le lustrage rapide des briches en céramique et en zircone avec les diastones et avec la pâte à polir Polystar Pro Diamant. Pour la finition d'un bridge en zircone, nous vous recommandons nos abrasifs diamantés bruts. Ce diastone dur qui a un marquage vert est utilisé à 10 000 tours par minute afin d'obtenir le meilleur affilage sans surchauffer la céramique. Pour polir la surface occlusale, la taille du petit diastone en forme conique est la plus appropriée. Pour le polissage basal, deux formes peuvent être utilisées, soit cylindrique ou conique. Tous les coins doivent être arrondis afin que les gencives ne soient pas irritées. Le diastone extra fin, marqué jaune, est utilisé pour le pré-polissage. Ce diastone est si fin que nous ne sommes pas obligés à utiliser un polissoir en silicone. Comme vous voyez les surfaces basales en zirconium commençant déjà à briller. Maintenant, je vous présente la nouvelle pâte à polir diamantée de la maison Atto. Elle s'appelle Polystar Pro Diamant et elle est remplie plein de diamants de 2 microns. On n'a pas besoin beaucoup de pâte pour obtenir rapidement une brillance ravissante. Nous livrons la pâte Polystar Pro Diamant dans une boîte surdimensionnée. Cela empêche un giclement de la pâte de haute qualité. Maintenant, nous vous montrons le polissage à haute brillance avec les brosses en poils de chèvre et avec les feutres. Pour polir les surfaces buccales, nous vous recommandons la brossette Toro en poils de chèvre qui est appliquée à une vitesse de 10 000 tours par minute. Afin d'être en mesure de bien polir les fissures profondes, nous avons développé une brosse en poils de chèvre en forme d'étoile. Avec cette brossette Astro, vous serez capable de polir les endroits difficiles plus facilement et plus rapidement. Pour les surfaces de zircone, nous vous recommandons des feutres pour atteindre une haute brillance. La combinaison du feutre avec la pâte Polystar Pro Diamant réalise des résultats de première classe. C'est tout pour aujourd'hui. Pour des questions techniques, veuillez me contacter sur rotili@atto.de. À la prochaine, à votre service, Rotili.